Bonjour, je m'appelle Roland Jain. J'ai travaillé à la poste pendant toute ma vie, je peux dire, où j'ai exercé quelques responsabilités. Je suis à la retraite depuis 12 ans maintenant. Pendant ces années, je me suis consacré à écrire mon livre, là, L'homme des signes. Mon livre, L'homme des signes, est l'histoire de le témoignage de ma conversion. Donc je raconte le pèlerinage que je fis à Medjugorje, au cours duquel je me suis converti et je suis revenu à une pratique religieuse que j'avais négligée. Mon livre est donc le témoignage des signes et des prodiges que le Seigneur a fait dans ma vie. D'ailleurs, j'ai toujours aimé les œuvres qui sont en accord avec la vie. Et moi, dans mon livre, j'y mets toute ma vie. Dans mon livre, il y a beaucoup de signes. Et c'est lié à ce que je disais, au prodige. Signes et prodiges, quoi. C'est-à-dire le merveilleux qui nous est donné par Dieu, quoi. Saint Jean lorsqu'il parle des signes, veut parler des miracles, comme ça, des miracles. Des miracles que le Seigneur fait à ceux qui croient en lui. J'ai écrit mon livre pour porter un témoignage de ma fidélité au sacrement, surtout du mariage. L'écriture peut être une thérapie qui guérit les blessures. Oui, bien sûr, puisque j'y ai mis toute ma foi. Tout mon cœur. J'ai passé de longues années à le travailler, à le méditer. Et à l'écrire. Et à le réécrire. Oui, j'ai surtout reçu un soutien moral, mais qui m'a encouragé, surtout mon frère dont je parle dans mon livre, qui m'a trouvé l'éditeur d'Édit Livre et qui m'a donc encouragé à le publier. Voilà. Donc il n'a pas participé à l'écriture, mais disons qu'il m'a donné ce soutien pour passer de l'écriture à la publication. Pour l'avenir, je compte faire une nouvelle version quoi, de mon livre. Je travaille à la rendre plus parfaite. Au lecteur, je dirais d'abord qu'il ne se laisse pas rebuter par le nombre de pages de mon livre, parce qu'il se lit assez facilement, d'après les échos que j'en ai, mais qu'il ne se laisse pas non plus rebuter par le prix non plus,
Parce que rien que l'image que m'a peint mon frère, et dont je me suis servi pour la première page de la couverture, vaut vraiment son pesant d'or.